Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, ce serait dommage. Mais donc, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation au sein de ces grandes conférences de la QPC. C'est un honneur pour moi de pouvoir venir partager mes recherches aujourd'hui avec vous et parler un petit peu davantage de cette question de la transition et de la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc, la présentation que je vous ai proposée aujourd'hui s'intitule, comme on vient de le dire, comme M. Bernard vient de le dire, une approche concertée de la réussite dans l'enseignement supérieur, analyse de la diversité des réussites étudiantes et du pouvoir d'action de l'institution et du corps enseignant. L'idée aujourd'hui va donc pouvoir vraiment être de se concentrer sur cette question de réussite, mais cette question de réussite au regard de la diversité et des différents rôles des acteurs institutionnels et de l'étudiant au travers de cette transition. Pour ce faire, je vous ai préparé une présentation en quatre temps. Dans un premier temps, on discutera de cette notion de réussite et de se dire avant tout de quoi on parle quand on aborde la question de la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc, on parlera un petit peu de cette définition et des enjeux de cette réussite pour un petit peu revenir sur la posture qu'on peut adopter, une posture de réussite, vers l'enseignement supérieur. Ensuite, dans un second temps, on discutera davantage des questions des diversités. Et donc, on reviendra sur cette logique, de parler de diversité au pluriel, en se disant, mais finalement, où se situe la diversité quand on parle de l'importance de la diversité dans la réussite, dans l'enseignement supérieur? Et on reviendra sur l'importance relative de cette diversité, par rapport au processus de transition vers l'enseignement supérieur. Dans un troisième temps, on terminera sur une question plus d'action. Et donc, on reviendra sur ce pouvoir d'action en se demandant, mais finalement, comment peut-on agir pour soutenir les étudiants et étudiantes dans cette transition vers l'enseignement supérieur et donc dans ce parcours vers la réussite. Et finalement, on se posera également la question de quand est-ce qu'il serait intéressant d'agir en ayant une focale spécifique sur la première année dans l'enseignement supérieur, qui est une année particulièrement sensible en termes de transition. Et si je n'ai pas trop parlé et qu'on a encore du temps, on finira avec une conclusion qui permettra en fait de revenir avec les take-home messages de la journée, donc vraiment les messages à retenir. Et on reviendra sur quatre grands points de la conférence et je vous proposerai quelques pistes pour aller plus loin, ce qui nous permettra d'arriver vers les questions et les séances, une séance de questions-réponses avec vous. Donc, j'espère que ce programme vous plaira. J'espère également que ce programme pourra tenir dans les 75 minutes qui me sont conférées, mais que je ne vais pas trop parler, mais je vais essayer de garder un œil sur le temps et sur le timing. Voilà. Je vous propose donc de commencer par le premier point, qui est la question des enjeux de la réussite, et de revenir sur les enjeux de la réussite réellement du point de vue, de mon point de vue, qui est un point de vue de chercheur en Belgique et donc dans un contexte européen. Quand on parle de réussite dans mon contexte, à quel enjeu on essaye de répondre? Et en fait, on va essayer de répondre à un enjeu qui est européen, mais en fait pas uniquement, qui est un enjeu plus global, mais qui est quand même très élevé en Europe, qui est cette ambition élevée de pouvoir faire passer, enfin de pouvoir faire passer notre enseignement supérieur à une participation et à une réussite massive de ses étudiants et de ses étudiantes. On a dans cette logique une volonté de pouvoir avancer vers une plus grande proportion des étudiants qui seraient diplômés de l'enseignement supérieur, avec comme idée aussi derrière d'avoir une diplomation plus importante et une diplomation qui soit plus équitable, donc que cette diplomation soit moins influencée par le bagage social et économique du jeune, mais qu'elle puisse se diversifier selon les profils. Et donc, dans notre approche, et on va se rapprocher des objectifs Horizon 2030, qui est vraiment cette logique d'expansion continue de l'accès et de pouvoir atteindre 50% des diplômés de l'enseignement supérieur, et que cette réussite soit plus démocratisée. Pour résumer ces enjeux, Gallet Parker vont dire qu'en fait, l'objectif actuel et les enjeux sociétaux autour de la réussite dans l'enseignement supérieur, ce serait de faire réussir plus de personnes étudiantes avec des profils de plus en plus variés et sans que ces profils n'interfèrent sur leur processus de réussite.
Et c'est vraiment par rapport à cet objectif de faire réussir plus d'étudiants avec des profils de plus en plus variés que j'ai axé cette présentation. Donc, cette présentation vise à pouvoir amener des pistes de réflexion sur l'atteinte de cet objectif. Au niveau de cet enjeu, un élément qui est important à mettre en avant, c'est que cet enjeu est quand même relativement complexe pour les institutions, en tout cas en Europe, mais je pense aussi que dans votre domaine, vous avez également cette difficulté, à savoir que nous sommes aujourd'hui face à une espèce de tension entre l'offre et la demande. On a aujourd'hui une demande qui est démultipliée, à savoir de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur, avec une hétérogénéité qui est sans cesse croissante, donc de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes de profils très variés qui vont rentrer dans l'enseignement supérieur. Mais on a également une pression sur l'offre, à savoir la fait de pouvoir gérer de plus en plus d'étudiants, mais tout en gardant des attentes sociétales importantes sur un accès fort, des infrastructures de qualité, un coût des études qui reste limité, une qualité du service et de la formation qui reste importante, et toute cette prise en compte des besoins spécifiques. Donc plus de demandes sur l'offre, enfin plus d'exigences sur l'offre, plus d'exigences sur la demande. Et aujourd'hui, dans notre cadre, nous sommes dans un contexte où la performance par rapport à cet objectif horizon 2030 et par rapport à cet objectif de faire réussir plus d'étudiants de profils plus diversifiés, bah, cette performance est jugée encore insatisfaisante. Pourquoi? Bah, parce qu'on a un taux de réussite et un taux de diplomation qui sont considérés comme faibles. Dans notre contexte précis, enfin mon contexte précis, quel contexte belge, on est à un taux d'échec et d'abandon qui approche les 60% en première année. Ce qui veut dire que 60% des étudiants qui rentrent pour la première fois dans l'enseignement supérieur vont soit échouer leur année et poursuivre dans l'enseignement supérieur, soit échouer leur année et quitter l'enseignement supérieur. Donc on a une réelle difficulté lors de cette première année. Pourquoi? Bah parce qu'en Belgique francophone, nous sommes dans un système très ouvert, ce qui veut dire que un jeune qui entre dans l'enseignement supérieur peut globalement choisir les études qu'il veut sans aucune restriction, à l'exception des études de médecine et d'ingénieur. Mais pour toutes les autres études, il peut rentrer dans n'importe quelle étude tant qu'il a fini son parcours antérieur. Et un autre point qui est important par rapport à cette performance, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans une ré répartition fortement inégalitaire des chances de réussite, à savoir que le bagage social et culturel et même économique du jeune reste un facteur très impactant sur les chances de réussite du jeune dans l'enseignement supérieur, dans notre contexte belge. Je précise que ce n'est pas uniquement attribuable à notre contexte belge. Nos voisins français ont globalement les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés. Et on peut retrouver cette difficulté dans d'autres pays proches, tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas, par exemple. Donc on est quand même dans une problématique, une performance assez satisfaisante, qui ne touche pas uniquement notre contexte belge. Et par rapport à cet enjeu, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on se pose par rapport, enfin, se pose la question de cet enjeu au-delà de la volonté d'une diplomation importante de la population. C'est que cet enjeu a des conséquences financières pour la société importantes, à savoir qu'en Belgique, les coûts des études n'est pas très élevé pour l'étudiant ou l'étudiante, ce qui veut dire qu'il y a un financement très important par l'État de plus ou moins entre 7 700 et 6 200 euros par an par étudiant. Et vu qu'on a un taux très important d'échec, ça veut dire que c'est un coût très important relatif à l'échec qui est attribuable vraiment à cette difficulté de transition vers l'enseignement supérieur. Donc il y a énormément d'argent qui est finalement mal investi ou moins bien, enfin, pas investi de manière optimale en tout cas, dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas la seule conséquence et les seuls problèmes qu'on a avec ce taux d'échec important dans l'enseignement supérieur. On a également évidemment des conséquences psychologiques importantes pour le jeune, à savoir des pertes de confiance en soi, du mal-être psychologique qui ont été largement démontrées et qui peuvent impacter évidemment sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme et le long terme, son parcours futur et son parcours
scolaire futur, mais aussi son parcours professionnel futur. Donc, il y a une vraie tension sociale ici à pouvoir travailler sur ces questions de transition vers l'enseignement supérieur et de prendre à bras le corps ce problème d'échec. Le problème aussi, également par rapport à cette situation qui rend les choses un peu paradoxales, c'est qu'on a quand même des moyens limités en Belgique francophone, mais également en France, par rapport à cette question. À savoir que le budget total qui est alloué à l'enseignement dans notre pays est assez stable, alors que la population augmente. Enfin, la population étudiante augmente très largement depuis 20 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une réduction du budget par étudiant et donc des dépenses par étudiant qui sont possibles, qui a été réduite de quasiment 20% lors de ces 20 dernières années, alors que justement, on a de plus en plus d'étudiants et de plus en plus de plus en plus d'attentes et de plus en plus de défis à cette réussite. Donc on est dans une situation aujourd'hui où on devrait faire mieux avec moins ou faire aussi bien avec aussi peu d'une certaine manière. Et donc dans une vraie réflexion ici sur l'efficacité de la façon dont on va essayer de travailler cette réussite. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des façons de se positionner par rapport à cette question pourrait être évidemment d'essayer d'augmenter le budget alloué à l'enseignement ou à l'enseignement supérieur, bien sûr. Mais ici, la posture que moi, je vais adopter aujourd'hui pour cette présentation sera plutôt d'essayer de réfléchir comment, avec les moyens actuels, on peut essayer de renforcer l'efficacité de notre façon de comprendre cette transition vers l'enseignement supérieur et de l'aborder dans les différentes institutions. Donc, on serait aujourd'hui dans une espèce de nécessité de maximiser l'efficience de l'accompagnement à la réussite. Et c'est ce que cette présentation va essayer de vous amener progressivement. Donc, essayer de maximiser cette efficience de l'accompagnement à la réussite. J'espère que pour le moment, tout est clair. On va prendre un petit moment de pause de 5 secondes, comme ça, vous intégrez bien les informations. Et puis, comme ça, je peux passer juste à la suite. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que l'objectif va être de maximiser l'efficience de l'accompagnement à la réussite. Okay. L'objectif derrière ça, ce sera donc de réfléchir comment maximiser cet accompagnement à la réussite et comment maximiser notre approche de la réussite et de la transition vers l'enseignement supérieur. Une première chose qui peut être importante par rapport à cette maximisation de l'efficience sera de réfléchir sur notre définition même de la réussite. Et certains auteurs nous disent que les notions d'échec et de réussite, en fait, sont peu définies enfin, dans la recherche, et en fait, sont plutôt utilisées à des usages pratiques. On parle très vite de réussite dans l'enseignement supérieur. Et si vous faites l'expérience, et je vous invite à faire l'expérience après cette conférence, c'est d'aller discuter avec certains de vos collègues sur ce qu'ils mettent derrière le terme de réussite. Et vous verrez, en fait, que ce terme de réussite est très englobant, très large. Et finalement, renvoie à beaucoup de concepts très différents. Donc, on a une définition de la réussite qui se veut un peu implicite et diverse entre les individus. Ce qui est compliqué quand on veut pouvoir mettre en place une action de soutien à la réussite qui soit concertée et qui soit efficace. Si on a chacun une vision implicite et divergente d'un même objectif, c'est compliqué d'arriver ensemble à ce même objectif vu qu'il est divergent. Et non explicité. De plus, un des éléments sur lesquels on est souvent d'accord par rapport à la réussite, c'est qu'on va mesurer la réussite comme un taux de réussite en fin d'année, un taux de diplomation ou un taux d'accrochage dans les études. Donc ce sera mesuré au moyen d'échelles ou au moyen d'indicateurs qui sont très larges, qui sont positionnés à l'échelle d'une institution, d'un système. Quel est le taux de réussite au Québec? Quel est le taux de réussite à l'Université du Québec, par exemple? C'est des indicateurs très larges qui donnent l'impression que la réussite est un espèce de taux global très stable et très difficile à faire bouger. Et donc, ça donne l'impression, quand on travaille sur la réussite au travers de ce taux de réussite ou de ce taux de diplomation, ben, ça donne l'impression que les actions qu'on met en place au quotidien ne vont pas réussir à agir efficacement sur cette réussite. Comment faire changer un taux de réussite global ou même augmenter le taux de réussite de mes étudiants avec des actions plus isolées de soutien disciplinaire ou soutien à la méthodologie de travail ou soutien à la gestion de l'anxiété, ça peut être très compliqué d'imaginer qu'on va avoir un effet direct sur ces différents éléments.
Et une autre critique qui ressort beaucoup de la littérature, c'est qu'en fait, le moment de mesure de la réussite peut être questionné. Est-ce que c'est intéressant de mesurer systématiquement une réussite en fin d'année ou un taux de diplomation à la fin? Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de mesurer la réussite de manière intermédiaire pour voir des mouvements plus proximaux dans cette réussite? Et l'autre critique qui ressort pas mal de la littérature, c'est qu'en fait, ce taux moyen de réussite ou de diplomation, en fait, il cache des variations très importantes selon les établissements, mais aussi selon les programmes de cours et les filières. Ce qui veut dire que on a l'impression que derrière ce taux général de réussite, être face à un problème général et un problème équivalent dans les différents contextes, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des taux de réussite qui sont bien meilleurs dans certains contextes que dans d'autres. Donc, on est dans une situation où il y a des moments de, enfin, le moment de mesure de réussite n'est pas clair. Il y a des variations importantes. On peut aussi citer les différents standards de réussite qui peuvent coexister, et que tout ça est couplé par une mesure très implicite de la réussite et une conception très diversifiée de la réussite entre les individus. Ce qui peut poser énormément de difficultés pour pouvoir mettre en place des actions efficaces. Et donc, on peut avancer sur une définition de la réussite et me dire quelle serait notre définition de la réussite. Et on pourrait se concentrer sur une réussite très administrative ou qu'on pourrait appeler réussite académique, qui serait la réussite comme la satisfaction d'un étudiant aux critères de maîtrise liés à son programme de cours, qui serait déterminé en fait par enfin, le contexte éducatif, par l'institution et par les différents responsables de son programme. On pourrait reprendre donc la définition ici de Roland et de ses collègues. Donc on serait sur la réussite équivaut la satisfaction aux critères minimaux de maîtrise, donc le fait de réussir suffisamment que pour pouvoir continuer le cursus. Cependant, ça occulte un aspect très important qui ressort de la littérature, qui est cet aspect qualitatif de la réussite. Le développement de compétences. L'atteinte de critères minimaux ne dit rien sur le nombre de compétences et de connaissances qui a été développé ou la qualité de ces compétences. Et ça occulte aussi toute la notion d'épanouissement personnel et vocationnel qui est ressortie de beaucoup d'auteurs, qui nous dit que la réussite, ce n'est pas juste une question de satisfaire à des critères minimaux de maîtrise, mais aussi de pouvoir trouver sa voie et pouvoir s'épanouir comme futur professionnel et futur citoyen actif de la société. Et donc, dans cette idée, ça ne tient pas non plus compte de cette réussite subjective qui est présentée par Saïd Peyvandi, qui nous dit en fait que l'étudiant lui-même vient avec ses propres objectifs de réussite et que ses objectifs de réussite ne concordent pas toujours avec une réussite en fin d'année ou une diplomation après 3 ans, mais qu'il peut aussi considérer des éléments qu'on considérait comme un échec, comme lui-même une réussite. Donc un étudiant qui arrive d'un milieu assez défavorisé, qui passe une première année dans l'enseignement supérieur et qui arrive à maximiser et développer un maximum de compétences et de connaissances qui vont mieux le préparer par la suite, peut tout à fait se considérer en réussite, alors que d'un point de vue administratif, il sera tout à fait considéré en échec. Donc tout ça montre qu'en fait, limiter la notion de réussite à une réussite administrative qui se mesurerait uniquement par un taux d'échec ou de réussite en fin d'année ou un taux de diplomation, c'est très réducteur par rapport à ce qui se passe réellement et les missions qui sont réellement proposées par l'enseignement supérieur. Et donc, c'est pour ça que on tend dans une, enfin, avec certains collègues de France, on tend à proposer une vision pluridimensionnelle de la réussite et plus précisément tridimensionnelle de la réussite. On pourrait dire que la réussite, c'est un concept multidimensionnel, enfin tridimensionnel, qui pourrait allier réussite académique, donc cette question de satisfaire aux critères minimaux, mais également de la réussite éducative, qui serait le fait de pouvoir évoluer dans le degré de maîtrise des connaissances et des compétences liées à l'enseignement supérieur, donc au sens large, et de réussite étudiante, qui serait l'atteinte pour l'étudiant d'une forme de stabilisation et d'épanouissement dans l'enseignement supérieur. Ce qui est intéressant avec cette perspective, ce serait que ça permettrait une clarification claire, enfin, oui, une clarification claire, vous comprenez, mais donc ça permettrait une clarification de l'objectif qu'on veut mettre derrière cette notion de réussite et de se dire quelle est notre approche principale de la réussite. Est-ce que ce qu'on met en place, c'est avant tout pour favoriser une réussite académique ou une réussite éducative ou plutôt une réussite étudiante, ou comment on se positionne par rapport à ces trois aspects?
Et j'insiste sur le fait que les indicateurs pour mesurer ces trois réussites ne sont pas les mêmes. D'accord? Un élément que je peux proposer en plus par rapport à ces éléments est la réussite étudiante. La réussite étudiante, qui est ce troisième facteur, qui est un facteur plus malléable, qui est vraiment la concordance entre les objectifs de l'étudiant et son contexte, donc cette question d'épanouissement, en fait, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans d'autres travaux, dont les travaux américains de Lori Schreiner, qui nous parle de student thriving, qui est une vision de la réussite plus étendue. Et l'intérêt de cette vision de la réussite, selon Schreiner, ce serait qu'elle permet en fait d'avoir une vision étendue de la réussite, évidemment, mais qu'elle permet avant tout de centrer sur des aspects modulables qui possèdent un réel potentiel pour développer des dispositifs avec un large nombre d'étudiants. Et donc, agir sur la réussite étudiant et l'épanouissement du jeune, avant tout, pourrait être très facile à mesurer, pourrait être très motivant pour les équipes parce qu'on voit un réel impact. Donc, si on met une mesure de, enfin, si on met des mesures en place pour favoriser l'épanouissement et qu'on voit que l'étudiant s'épanouit, on voit directement les impacts, ce qui n'est pas le cas avec la réussite académique. Et ce que montre, entre guillemets, la littérature également, c'est qu'agir sur cette réussite étudiante pourra, in fine, avoir des effets positifs sur les deux autres formes de réussite, à savoir la réussite éducative et la réussite académique. Et donc, dans cette réussite étudiante, je ne vais pas rentrer en détail, mais on a permis de distinguer cinq facettes à cette réussite étudiante, qui seraient l'aspect personnel, donc la réussite étudiante sur son volet personnel, donc l'atteinte de ses objectifs, des objectifs personnels de l'étudiant, sur l'aspect volitionnel, donc la capacité de l'étudiant à s'engager et à rester engagé dans l'enseignement supérieur. L'aspect vocationnel, qui serait la capacité de l'étudiant à réussir à à développer son choix d'études et à comprendre en quoi ses études vont lui permettre de faire une transition vers le monde professionnel. L'aspect psycho-affectif qui va revenir sur cette question de réussite en termes de trouver sa place et pouvoir s'épanouir personnellement dans l'enseignement supérieur. Et finalement, cette réussite sur l'aspect social qui est cette capacité à pouvoir établir un réseau social positif qui va soutenir l'étudiant pendant son parcours dans l'enseignement supérieur. Et quel est l'intérêt d'une réussite, enfin, de ces différents aspects de la réussite étudiante? J'en ai déjà parlé, bah ça propose des objectifs clairs et justifiables des actions de terrain. Ça permet de faire un diagnostic précis des actions qui sont mises en place, parce qu'on sait exactement sur quoi on peut travailler. Et ça procure des indicateurs plus sensibles de l'impact des actions de soutien. Donc, on pourrait associer une série d'indicateurs à l'ensemble de ces aspects qui permettraient de mettre des actions qui seraient particulièrement ciblées, particulièrement efficaces. Donc, la seule mauvaise nouvelle pour vous, c'est que cette publication n'est pas encore disponible, elle est encore sous presse pour le moment, donc il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir lire tous les éléments par rapport à cette dimension de la réussite. Mais vous avez déjà la majorité dans ce que je vous ai expliqué ici. Et donc, pour conclure ce premier point, je reviens sur cette question de posture, que finalement, pour renforcer l'efficacité du soutien à la réussite aujourd'hui, un des premiers éléments, ce serait de passer par une explicitation de la vision qu'on a de cette réussite. Et de se poser la question, et donc je vous pose la question à vous, bon, je ne vous vois pas et je ne peux pas savoir quelle sera vos réactions, mais on pourrait se poser la question ici de quelles sont les dimensions de la réussite que vous voulez prioriser et pour quelles raisons? Donc qu'est-ce que vous mettez au cœur de cette réussite? Comment vous l'explicitez? Et ça vous permettra potentiellement, en explicitant et en travaillant sur cette explicitation avec des collègues, de changer votre cadre d'analyse pour pouvoir voir si vous êtes réellement aligné entre les actions de la réussite qui sont mises en place et la vision même de la réussite que vous essayez de soutenir. Ça me permettra aussi peut-être de mettre en place, enfin, d'identifier certains manques de concordance et certaines frustrations que vous pouvez avoir en vous disant, tiens, j'ai l'impression que je soutiens la réussite largement, et pourtant je me sens frustré par rapport à cette idée d'une certaine inefficacité de mes actions. Peut-être que vos actions sont jugées inefficaces ou pas assez efficaces parce qu'elles ne sont pas posées sur les bons indicateurs. Et donc la question qui pourrait être intéressante de vous poser également ici, ce serait de se dire, en quoi est-ce que les actions qui sont mises en place aujourd'hui
dans mon institution, dans mon contexte, soutiennent-elles vraiment ma vision de la réussite? Est-ce qu'on est sur un alignement ou non? Avec une mise en garde quand même, c'est qu'une attention avec une focale trop centrée sur un aspect de la réussite pourrait avoir des effets délétères sur les autres. À savoir que si on se concentre uniquement sur la réussite étudiante, on pourrait négliger toute cette réussite éducative en termes de développement de connaissances et de compétences, par exemple. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir une vision équilibré entre guillemets de cette réussite en se disant que notre objectif pourrait être d'augmenter le nombre de diplômés à la condition qu'ils aient trouvé leur place et qu'ils aient acquis les compétences et connaissances visées. Donc essayer d'aller vers cet équilibre. Ceci termine mon premier point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les poser dans le chat, on y répondra vers la fin. Et je laisse encore 5 secondes pour pouvoir vraiment prendre le temps de clôturer ce point et de passer à notre deuxième point qui va parler plus précisément de cette question de diversité. Donc, on va revenir sur ces questions de diversité et de gestion de la diversité dans la réussite. Pour le moment, j'espère que je ne vais pas trop vite et j'espère que tout ça est clair et que ce n'est pas trop d'informations d'un coup. Mais vu que j'ai pas de feedback, on verra bien. Ok. Donc, parlons sur les questions de diversité, une question qui a beaucoup animé mes travaux pendant de nombreuses années, avec une première question qui ressortait finalement de mon travail, et qui était de se dire, est-ce qu'il est vraiment important, à quel point est-il important de considérer la diversité étudiante, quand on se préoccupe de cette réussite? Et pour ce faire, j'ai fait plusieurs études, dont une étude ici sur 2178 étudiants de première année, mais il y en a d'autres que vous voyez ici en bas, donc on l'a répliqué plusieurs fois, en se concentrant sur une diversité qu'on pourrait considérer à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Une diversité qui va se centrer sur quatre variables d'entrée qui sont jugées dans la littérature comme étant particulièrement importantes pour faire une bonne transition vers l'enseignement supérieur. Et ces quatre variables d'entrée, quelles sont-elles? La première est le passé scolaire, donc à quel point le jeune avait un passé scolaire de qualité avant de rentrer dans l'enseignement supérieur. La deuxième, qui est très liée à notre système belge, qui est un système ouvert, est son processus de choix d'études. Donc, dans quelle mesure est-ce que le jeune a fait un processus de choix d'études réfléchi avant de poser son choix d'études? Parce que, comme je vous le rappelle, dans notre contexte belge, il y a peu de contrôle sur le choix d'études et le jeune peut poser n'importe quel choix d'études sans réelle réflexion, s'il le désire. Donc, il n'y a pas de contrôle, hein, par rapport à ça. Il y a aussi le niveau socio-économique, car comme je vous l'ai dit, pour le moment, la réussite reste encore marquée de ce bagage social et économique, même culturel. Et finalement, une variable psycho-affective importante, enfin socio-affective importante, qui est ce sentiment d'efficacité personnelle, donc la confiance que le jeune a dans sa capacité à réussir, qui est souvent présentée dans la littérature comme étant le déterminant psychologique le plus important de la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc le déterminant sur lequel qui est relatif à les croyances. C'est le déterminant le plus important. Et qu'est-ce que nous ont montré ces analyses? Donc des analyses qui ont été faites, enfin pour ceux qui apprécient les questions méthodologiques, étaient faites avec des analyses en piste causale et puis des analyses de transition et des analyses en clustering. Donc plusieurs types d'analyses qui ont été proposées avec analyse multigroupe également. Donc, beaucoup d'analyses quantitatives qui ont répliqué ces résultats. Ces analyses nous ont montré en fait que dès l'entrée, il y a six profils d'entrée qui se distinguent de manière cohérente et de manière répliquée. Donc, ces six profils d'entrée apparaissent et ces profils ne sont pas égaux face à la réussite quand on la mesure en termes de réussite académique à la fin par un taux de réussite. Donc, ils ne sont pas égaux face à leurs chances de réussite. Mais ce qui était super intéressant par rapport à ces résultats, c'est qu'ils ne sont pas non plus influencés par les mêmes facteurs. Donc, leur processus de réussite ne va pas être exactement le même. Et je vais vous donner un petit peu plus de détails de manière très vulgarisée et très imagée ici. Pour résumer tous les résultats qu'on avait, c'est qu'en fait, vous pouvez constater ici nos six profils, donc chaque ligne égale un profil, et vous pouvez constater que ces profils ont soit un ensemble de forces, soit un ensemble de faiblesses au départ, ce qui peut être retrouvé dans les colonnes vertes et dans les colonnes rouges.
Et donc, si on prend la première ligne, c'est le profil à risque, comme il est marqué dans la première colonne de la première ligne. Et ce qu'on voit, c'est que dans les cases vertes, il n'y en a aucune. Ce profil à risque présente un ensemble de faiblesses, à savoir un passé scolaire plus faible que les autres, un choix d'études moins réfléchi que les autres, un niveau socio-économique plus défavorisé que les autres, et un sentiment d'efficacité personnelle plus faible que les autres. Donc, ce sont des étudiants à risque. Ce que nous montrent nos résultats, c'est que sans grande surprise, ces étudiants ont beaucoup moins de chances de réussir dans l'enseignement supérieur. Mais ce que nous montrent aussi nos analyses, c'est que ce qui va particulièrement impacter ces étudiants dans leur processus d'adaptation vers l'enseignement supérieur, c'est deux choses. C'est avant tout la motivation, donc le fait pour eux d'arriver à développer une motivation forte pour leurs études, et donc d'arriver à développer cette motivation forte. Et ce qui va particulièrement jouer contre eux, c'est la perception de compétition. Donc s'ils se perçoivent dans un environnement qui juge compétitif, ils vont avoir tendance à totalement se désengager du processus, perdre leur motivation qui était essentielle et donc finalement échouer. D'accord? Un autre profil qui est un profil, on va prendre un autre profil plus, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'on n'aura pas le temps, mais un autre profil qui peut être intéressant, c'est le profil 4, donc la quatrième ligne, qu'on a appelé le profil démocratisé. Et quel est ce profil démocratisé? C'est un profil mixte qui présente une force principale et une faiblesse principale. Ce profil, c'est un profil d'étudiants qui ont un passé scolaire important, positif. Donc, ils ont un passé scolaire assez bon. Mais qu'est-ce qui les caractérise? C'est qu'ils ont un passé scolaire assez bon, mais ils sont issus d'un milieu socio-économique assez défavorisé, à savoir souvent des familles dont aucun des parents n'a été dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est potentiellement des étudiants ou des étudiantes primo-arrivants. D'accord? Ce qu'on voit en fait, c'est que ces étudiants, malgré leur passé scolaire très favorisé au départ, ont quand même un risque assez important d'échouer, donc plus important que la moyenne d'échouer. Mais par contre, ce ne sera pas du tout la motivation ou la perception de compétence qui va être de compétition qui va être important dans leur processus de transition. Ces éléments ont très peu d'impact sur ce profil. Ce qui va être central dans leur profil, c'est le soutien social, le fait de pouvoir trouver dans leur entourage des personnes qui vont les soutenir socialement et pouvoir les accompagner dans ce processus de transition. Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, nous avons différents profils avec différentes chances de réussite et différentes sensibilités par rapport à cette réussite. Donc, ça répond un peu à la première question. Dans quelle mesure est-ce que la diversité est importante pour réfléchir à la réussite? Cette diversité semble primordiale dans la mesure où ça a un impact directement sur cette réussite académique, mais ça va aussi jouer sur les leviers et les freins sur lesquels on va pouvoir agir pour les faire réussir. Donc, faire une même action pour tous risquerait de ne pas avoir la bonne efficacité. Un autre élément qu'on a travaillé dans la suite de mes recherches, c'était de se concentrer sur le fait que la diversité est souvent vue dans une vision déficitaire. Mais cette diversité n'est pas que déficitaire et potentiellement, il n'y a pas que des groupes à risque et que potentiellement ces groupes à risque, même les groupes à risque, ont un ensemble de ressources insoupçonnées. Et on a essayé de le prouver par deux, enfin pas de le prouver, mais en tout cas de le tester par deux recherches. Une première recherche qualitative qui a comparé des étudiants en situation de handicap physique, donc considérés comme des étudiants fortement à risque d'échec au départ, avec des étudiants plus traditionnels ou sans handicap. On a fait une grande analyse qualitative pour voir comment ils vivaient leur première année dans l'enseignement supérieur et quelles étaient les grandes difficultés qu'ils avaient par rapport à cette question de réussite. En fait, ce qui est intéressant par rapport à cette recherche, c'est que les étudiants nous montrent rencontrer plus ou moins les mêmes types d'obstacles et donc d'avoir la même vision de cette première année de transition vers l'enseignement supérieur. Sauf que le sens attribué aux difficultés varie fortement entre les deux groupes. Ce qui se passe, c'est que dans les étudiants en situation de handicap, nos étudiants nous disent on a effectivement des difficultés, mais vu notre passé scolaire qui était déjà compliqué, on est habitué à ces difficultés. On a d'ailleurs, avec toutes les difficultés précédentes de notre passé scolaire, on a une vraie conscience de nos forces et de nos faiblesses, donc on est capable, entre guillemets, de gérer ces nouvelles difficultés.
Et on vit en fait ces difficultés comme un défi, une possibilité de montrer qu'on peut le faire et d'être vraiment dans un accomplissement personnel. Et ces étudiants nous disent aussi, bah, on se sent très soutenu par l'université avec les aménagements qui sont mis en place. Et donc, on est dans une situation où c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, l'enseignement supérieur est beaucoup mieux que l'enseignement précédent et que leur passé scolaire. Alors que les étudiants plus traditionnels nous disent en fait complètement déstabilisés et déconcertés par rapport à ces nouvelles difficultés. C'était des étudiants qui avaient globalement pas de difficultés dans leur parcours précédent et qui ici sont en train de découvrir dans un nouveau niveau d'exigence leurs forces et leurs faiblesses, savoir et comment devoir réagir à ces difficultés plus importantes. Ils nous disent aussi de ne pas vraiment se considérer dans un espace d'accomplissement personnel, mais plutôt de voir plus de comparaison sociale et plus de nécessité de réussir mieux que l'autre. Et de percevoir en fait que l'université, elle ne les soutient pas tellement, mais elle est perçue comme hostile. Donc ici, de manière assez contre-intuitive au départ, c'est les étudiants en situation de handicap qui nous montrent plutôt un profil très favorisé sur les principes de réussite, malgré leurs difficultés qui ont déjà été largement documentées dans la littérature. Même chose pour des étudiants adultes en reprise d'études, qui sont aussi des étudiants qui sont qualifiés à risque. Bah, les études nous montrent que ces adultes en reprise d'études, effectivement, ils expriment plus de difficultés sur plusieurs aspects que les étudiants traditionnels, à savoir des difficultés à équilibrer leurs études et leur vie privée, parce qu'ils doivent gérer ça avec la vie de famille, etc. Difficultés à pouvoir s'approprier cette approche scientifique et à revenir sur les bancs scolaires. Et cette difficulté à gérer cette pression des études et à pouvoir se dire qu'ils arrivent à gérer le fait qu'il y a plus un rythme très important alors qu'ils ont beaucoup de tâches annexes. Néanmoins, ces étudiants nous montrent aussi qu'ils ont moins de difficultés à communiquer avec les enseignants et ils ont beaucoup moins de difficultés à percevoir le sens de leurs études et à se motiver pour leurs études. Ce qui montre en général qu'en fait, les profils qui sont même qualifiés plus traditionnellement de profils à risque, ils présentent aussi un ensemble de forces et de ressources insoupçonnées. Donc ce serait dangereux d'avoir une vision trop déficitaire de cette question de réussite et de se dire, on va essayer de cibler les profils à risque et d'essayer de d'abord travailler sur ces profils-là. Ici, il y a une logique de ressources et de besoins différents. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien à distance. Et on va prendre 2 secondes pour fermer ce point parce que je vais passer à un autre en termes de diversité. Voilà. Donc, ce que je résume ici, c'est que la diversité, elle compte et que la diversité ne peut juste se qualifier par une identification de profil à risque, mais plutôt par une identification d'une diversité de forces et de faiblesses ou de sensibilités par rapport à la transition vers l'enseignement supérieur. Que mes résultats et mes analyses ont aussi été amenés à investiguer était la diversité au-delà des personnes. Parce qu'on parle beaucoup de cette diversité étudiante, mais en fait, il n'y a pas que ça qui change, il n'y a pas que cette diversité qui pourrait avoir un effet sur le processus d'adaptation dans l'enseignement supérieur. Et donc, on a été investigué avec quelques études le pouvoir du programme d'études sur la réussite. Est-ce qu'il y a une différence du processus de réussite des étudiants entre les programmes d'études? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un processus universel qui fonctionne pour tous? Et en fait, on l'a fait dans une autre université, donc l'Université catholique de Louvain, dans 29 programmes d'études. Et ce qu'on voit, c'est déjà qu'il y a 15% de la réussite de l'étudiant qui va être déterminée par son programme. Et donc, ça se traduit par un taux d'échec chez nous qui va varier, enfin un taux de réussite qui va varier entre 30 et 70%. Donc ça veut dire que la question de la réussite ne se pose pas du tout avec la même intensité entre nos différents programmes au sein de notre université, en imaginant qu'on peut extrapoler ça à d'autres universités. Ce qui a été intéressant dans cette étude également, au-delà de simplement attester qu'il y avait une vraie variation de la question de la réussite entre les programmes, c'est qu'on a découvert que les déterminants de la réussite n'ont pas le même effet d'un programme à l'autre. Donc ça veut dire que les facteurs qui sont généralement associés à la réussite dans la littérature n'ont pas les mêmes effets d'un programme à l'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, le fait d'aller au cours et d'assister au cours a un effet très important et très positif sur la réussite des étudiants dans le domaine des sciences, dans notre échantillon. Cependant, il a un effet inexistant, donc non significatif, sur nos étudiants en droit. Ça veut dire qu'en droit, le fait d'aller au cours ne va pas déterminer positivement ou négativement la réussite des étudiants. Par exemple,
Ou également, avoir un emploi rémunéré pour devoir payer ses études, ça a un effet particulièrement négatif sur la réussite des étudiants en médecine, qui ont un programme de cours très chargé. Par contre, dans le programme de psychologie, qui est plus respectueux entre guillemets de l'horaire des étudiants, nous n'avons pas d'effet ni positif ni négatif d'avoir un emploi rémunéré sur le côté pour devoir payer ses études. Donc ça nous montre quoi? Ben, ça montre que la diversité ici, au niveau des programmes, et donc au niveau du programme de cours, elle compte et elle est importante. Et dans la suite de nos travaux, ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, il serait intéressant peut-être de considérer trois niveaux de diversité pour pouvoir avoir une vision vraiment ancrée de notre approche de la réussite. Donc le niveau micro, qui réfléchirait cette diversité au niveau de l'étudiant, la diversité habituelle en termes de bagage d'entrée, de style d'apprentissage, d'étape de vie, de spécificité des besoins, et ainsi de suite. Une diversité au niveau méso, qui penserait cette diversité au niveau des programmes de cours, de se dire quelles sont les spécificités de mon programme de cours et en quoi est-ce que je dois tenir compte de ces spécificités pour soutenir l'étudiant. Et finalement, une diversité au niveau macro, qui permettrait de penser la spécificité au niveau de l'établissement et de l'institution, mais aussi au niveau national. En quoi est-ce que le fait de penser la réussite au Québec dans une institution comme l'Université du Québec va agir et va amener des particularités qui devront être prises en compte pour pouvoir proposer des actions de soutien et d'accompagnement à la réussite qui soient les plus efficaces possibles. On est en train pour le moment de travailler avec des collègues allemands et des collègues suisses sur cette analyse de ces différents niveaux. Je vous mets certains éléments ici que vous pourrez retrouver dans les slides par la suite, mais je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Et comme je le disais, pour le moment, cette revue de la littérature est pas encore disponible. Donc vous avez certains éléments ici que vous retrouvez dans les slides, mais pour le reste, il va falloir attendre un petit peu que ce soit publié. Mais donc, pour conclure par rapport à ce deuxième point, la diversité ne fait pas vraiment tout. Donc ici, comment est-ce qu'on peut caractériser une diversité qui compte ou pas? Ça peut être compliqué parce que on se rend compte que ben, il y a énormément de diversités qui vont compter, que les étudiants sont divers sous un ensemble de prismes différents, diversité en termes de bagages, diversité en termes d'étapes de vie, diversité en termes de besoins spécifiques, et que essayer de catégoriser cette diversité est assez compliqué. Et donc, c'est pour ça enfin, j'aime bien l'idée de la conception universelle d'apprentissage, de se dire que peut-être cette diversité est la règle et pas l'exception, et qu'il c'est peut-être pas intéressant de catégoriser cette diversité, mais peut-être de comprendre que cette diversité existe, et d'essayer de comprendre comment on peut bénéficier des différentes ressources spécifiques de ces différents profils d'étudiants. Ensuite, on a vu ici qu'il y a une diversité de contexte et une diversité de population étudiante. Donc, ça pourrait être intéressant ici de pouvoir se dire que quand on essaie de faire une action de soutien à la réussite, c'est intéressant de pouvoir l'ancrer et la contextualiser et donc tenir compte du public qu'on a en face de nous et de tenir compte du contexte dans lequel on se positionne. Et donc une question que je peux vous inviter à vous poser maintenant, mais peut-être pour la suite également, c'est de se dire, mais quelles sont les spécificités de mon contexte et de ma population étudiante? D'accord? Et quelles sont ces spécificités et pourquoi est-ce que je devrais être attentif à ces spécificités? D'accord? Et finalement, on parle beaucoup de diversité dans ce point, mais une autre façon de travailler cette transition, même si la diversité compte, c'est aussi de considérer quels sont les éléments qui vont être universels. Tout n'est pas différent en fonction des étudiants, tout n'est pas que différence. Il y a aussi pas mal d'éléments communs et d'éléments défis et d'étapes communes à la transition qui permettraient aussi d'avoir une ligne de base qu'on ferait évoluer en fonction des spécificités. Et c'est ce point sur lequel on va continuer à travailler dans quelques instants. Mais je vous laisse encore, je dirais, 10 secondes de repos pour le moment, pour vraiment intégrer ce changement de section. Je vous invite également, si vous avez des questions par rapport à la section que je vous ai proposée ici, à déjà peut-être les mettre dans le chat pour ne pas oublier, pas les oublier par la suite. Et de pouvoir passer donc faire la transition vers notre prochain point. Voilà. Donc j'espère toujours que
vous arrivez à suivre en termes de rythme, que je ne suis pas trop rapide et que je suis assez clair par rapport à ce que je dis. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations, mais j'espère que vous arrivez à retirer certains éléments dans ces informations qui vous semblent pertinents ou en tout cas qui vous questionnent. C'est le but d'un chercheur, c'est de pouvoir questionner, ce n'est pas vraiment d'amener des réponses, c'est d'amener plus de questions. Donc j'espère que ça vous amène plus de questions pour le moment et que ça vous permet de réfléchir sur cette question. Quelle a réussi? OK. Donc je vous propose de passer à la troisième et la dernière partie de cette présentation, qui est la question d'agir sur la réussite. Et donc on va quitter cette logique de diversité pour se dire maintenant, mais si on veut réfléchir sur l'action qu'on peut proposer par la réussite et réfléchir sur les actions qu'on peut poser de manière plus transversale, ce qui n'enlève pas tout l'importance de la diversité, hein, mais si on veut réfléchir ça de manière plus transversale sur la façon d'agir, comment est-ce qu'on peut faire et aussi quand est-ce qu'on peut agir? Et donc, on va revenir sur plusieurs points qui sont issus de mes travaux et d'autres travaux dans la littérature internationale sur la réussite pour répondre à cette question. Un premier point sur le comment agir revient sur la responsabilité qu'on a par rapport à cette réussite. Et en fait, qui devrait agir sur la réussite? On parle beaucoup de l'étudiant et de son pouvoir d'action, mais il y a certains auteurs comme Charbonnier et Goulard qui nous disent que on a une vraie nécessité aujourd'hui, si on veut renforcer l'efficience de notre approche de la réussite, de redistribuer cette responsabilité et cette façon de penser la réussite. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Ben, c'est que habituellement, on a tendance à essayer de promouvoir la réussite en renforçant le pouvoir d'action de l'étudiant, en se disant l'étudiant est l'acteur principal de sa réussite, donc on va renforcer son pouvoir d'action sur son adaptation et on va essayer de maximiser ses chances. Et évidemment, c'est une bonne idée. Néanmoins, il peut être intéressant de combler ou de cumuler ou de rajouter un élément important par rapport à cette réussite, c'est que la réussite pourrait aussi passer en ajustant le contexte de l'enseignement supérieur et le contexte universitaire pour réduire les obstacles à l'adaptation. Potentiellement, une bonne façon de travailler sur une meilleure réussite serait de réduire les obstacles à l'adaptation pour l'étudiant. Et c'est dans cette perspective qu'on peut voir les travaux qui ont été menés en Allemagne de Trautwein et Boss, qui nous parlent des obstacles à la transition et qui nous disent en fait que une grande difficulté pour les étudiants, c'est de pouvoir être de passer au-delà de ces obstacles à la transition. Et qu'une façon de travailler, enfin, une façon pour les institutions de travailler sur cette question de réussite serait de réfléchir à la façon dont ils peuvent réduire ces obstacles et éviter d'avoir des obstacles trop prégnants par rapport à cette transition. Et par rapport à ça, je vais vous laisser réfléchir sur ces obstacles de manière plus générale. Mais ce que nous propose Trautwein et Boss et ce qui a été répliqué en France et en Belgique par certaines de mes recherches avec des collègues, c'est qu'il existerait en fait quatre grands types d'obstacles transversaux, à savoir les obstacles personnels, donc tous les obstacles qui ont rapport au fait de pouvoir gérer enfin pour le jeune, de pouvoir gérer son activité d'études, d'organiser son quotidien et d'avoir une pression liée à l'étude. Les obstacles de contenu, donc tout ce qui est relatif au fait d'avoir une approche scientifique difficile ou d'avoir des attentes personnelles compliquées par rapport aux études, donc de ne pas réussir à trouver le sens des études et trouver le sens du programme. On a les obstacles sociaux, donc tout ce qui va être la difficulté pour le jeune de pouvoir s'intégrer dans un climat, d'avoir un climat relationnel propice et de pouvoir établir des relations positives. Et finalement, l'obstacle organisationnel, qui est toute cette capacité à comprendre les conditions d'études et d'examen, d'arriver à s'adapter aux règles formelles liées aux études, que vous voyez d'ailleurs dans les obstacles sociaux ici sur les slides, mais c'est une erreur, ça devrait être dans les obstacles organisationnels. Et donc ici, vous pouvez imaginer comment, sans travailler sur l'étudiant, mais en travaillant peut-être sur le contexte, il serait possible de réduire ces différents obstacles pour que le jeune puisse avancer de manière plus efficace et vers une transition réussie. Donc ça, c'est une première perspective, ce serait de réduire les obstacles, donc c'est une possibilité. Néanmoins, derrière cette possibilité, il sera important de quand même continuer à renforcer le pouvoir d'action de l'étudiant. Et donc, comment est-ce qu'on peut renforcer le pouvoir d'action de l'étudiant? Ben, en renforçant ses compétences.
Et il y a des recherches qui ont été menées sur les différentes façons de travailler sur de l'accompagnement de l'étudiant qui pourrait être efficace. Et ce qu'on voit en fait, c'est que l'accompagnement ponctuel et ciblé, donc proposer un atelier spécifique à l'étudiant ou travailler sur un moment, un atelier de gestion de l'étude, de prise de notes, de gestion de l'anxiété, ça peut fonctionner, mais ça garde une efficacité assez limitée, vraiment sur des lacunes spécifiques. Ça peut agir assez bien au début de l'année, mais après, ça perd son efficacité au cours du temps. Donc, ça reste un point d'efficacité qui reste limité. Le deuxième, c'est l'accompagnement personnalisé, donc le fait de pouvoir prendre l'étudiant dans sa spécificité et de pouvoir lui proposer un accompagnement qui réponde directement à ses besoins spécifiques. Ben, on voit dans la littérature que ça a une efficacité largement documentée, mais que c'est très coûteux au vu du nombre d'étudiants qui est présenté. Une autre façon d'accompagner l'étudiant qui revient, qui est très fort mis en avant dans la littérature pour le moment, c'est l'accompagnement intégré aux activités d'enseignement. Et de se dire qu'on ne va pas essayer d'accompagner l'étudiant en dehors, uniquement en dehors de ses cours, mais qu'on va essayer d'accompagner l'étudiant à l'intérieur de ses cours en réflexion intégrée avec les enseignants. Pour que l'accompagnement à la réussite ne semble pas être quelque chose d'externalisé, mais en fait quelque chose d'internalisé directement dans les cours. Et les premiers résultats par rapport à ces analyses tendent à montrer que c'est une façon économique et très efficace de travailler sur le renforcement du pouvoir d'action de l'étudiant sur sa propre réussite. Néanmoins, certaines études que j'ai menées ont également montré que pour savoir si les différentes actions d'accompagnement sont mises en place, il est d'abord et avant tout important de pouvoir comprendre et documenter leurs effets. Donc, de ne pas oublier que derrière une bonne intention, un accompagnement risque de ne pas avoir directement les effets escomptés. Donc, ce travail de documentation rigoureuse des effets est nécessaire pour s'assurer que ce qu'on propose à l'étudiant fonctionne. OK pour ça. Une autre façon d'agir sur l'étudiant et d'agir sur cette réussite, ce serait de le soutenir en travaillant sur le contexte classe. Je vous ai dit qu'on pouvait accompagner l'étudiant directement dans le cours, et c'est vrai, mais on peut aussi réfléchir sur l'accompagnement par l'enseignant et par le travail sur le contexte du cours. Et en fait, on a mené plusieurs études par rapport à ça. Qui ont tendance à montrer qu'en fait, il y aurait plus ou moins 25% de la réussite des étudiants qui serait déterminée par le contexte classe et par les pratiques de l'enseignant. Donc l'enseignant, dans son contexte classe, avec son dispositif, aurait un pouvoir d'action très fort sur la réussite de l'étudiant. Et au travers de quoi? Ben, au travers des caractéristiques du cours, donc des choses sur lesquelles il peut pas vraiment jouer, à savoir la taille de l'éditoire, mais aussi d'autres choses sur lesquelles il peut tout à fait jouer, à savoir l'imposition ou non d'un climat de performance qui est très négatif pour les étudiants, l'opportunité d'exercice, donc la possibilité à l'étudiant de pouvoir avoir des rétroactions, des feedbacks et de pouvoir s'exercer, mais aussi sur la mise en place d'activation pédagogique, donc de modules d'activation pédagogique qui permettraient à l'étudiant d'être au centre de l'apprentissage. Ensuite, il y a l'attitude en tant que telle de l'enseignant qui va être importante pour la réussite de la personne étudiante, à savoir sa façon dont il se comporte avec l'étudiant en termes d'éloquence. Est-ce qu'il donne son cours avec éloquence pour susciter l'intérêt et la motivation? Mais également et surtout, est-ce qu'il a une considération positive de l'étudiant? Est-ce qu'il lui permet de faire des erreurs et de lui montrer que ces erreurs vont lui permettre d'apprendre? D'accord? Donc il y a vraiment cette question d'attitude. Et évidemment, il y a cette question de pratique d'enseignement. Et derrière ces questions de pratique d'enseignement, ce qui ressort particulièrement de nos recherches, c'est que c'est le renforcement de la structure et du sens qu'on donne aux apprentissages qui va avoir le plus d'impact. Donc, à quel point est-ce que le cours permet de bien comprendre où on va avec des objectifs principaux, des objectifs secondaires, et à quel point est-ce que l'enseignant, dans ses pratiques, explique en quoi le cours a un sens par rapport aux objectifs mêmes de l'étudiant. D'accord? Sur base de toutes ces recherches qui sont menées par une de mes doctorantes, on a mené et constitué un modèle théorique qu'on appelle le modèle Just Teach, pour Just Teach, qui revient en fait sur une réflexion sur les pratiques enseignantes plutôt de manière isolée dans la classe, en se disant qu'il y a quatre questions clés et quatre dimensions de pratiques enseignantes clés pour favoriser la réussite. Et ces dimensions, ce serait d'abord
des dimensions qu'on peut questionner et de se dire, peut-être pour un enseignant, ben, dans quelle mesure est-ce que je peux favoriser l'intérêt, l'attention et l'implication de mes étudiants? Et dans quelle mesure est-ce que je le fais dans mes cours? Ensuite, dans quelle mesure est-ce que j'arrive à fournir un contexte soutenant et bienveillant pour mes étudiants? Ensuite, dans quelle mesure je peux fournir des éléments nécessaires vraiment? Est-ce que j'arrive à fournir les éléments nécessaires à la compréhension du cours pour toutes et tous? Ou est-ce que j'ai un prof... enfin, je ne fais pas assez de différenciation? Et finalement, dans quelle mesure est-ce que j'amène mes étudiants à réellement réfléchir en profondeur le cours pour acquérir des compétences et une compréhension de haut niveau de ce que je lui propose? Donc, c'est ces quatre éléments que vous pouvez enfin, sur lesquels on peut réfléchir en tant qu'enseignant ou en tant qu'enseignante dans l'enseignement supérieur. Et on est en train de renforcer encore avec plusieurs études quantitatives les effets de ces différentes catégories. Et on commence à avoir des effets observés sur sur différentes dimensions du processus de réussite des étudiants. Pour le soutien socio-affectif, mais on voit que avoir un environnement bienveillant et soutenir socio-affectivement l'étudiant, bah, ça a un effet positif sur le fait que l'étudiant se sente bien, développe des émotions positives et un bien-être important dans l'enseignement supérieur. Mais ça a un effet positif également sur l'intérêt qu'il va avoir directement pour le cours en général. Donc soutenir l'étudiant lui renforce son intérêt pour le cours. Néanmoins, à l'inverse, positionner un climat négatif ou un climat de compétition risque de le faire venir vers de l'apprentissage en surface, donc le faire se désengager des tâches de réflexion cognitive importantes, et ça diminue directement ses performances. Enfin, ça diminuerait directement ses performances. Concernant la structuration des apprentissages, donc le fait de s'assurer que que le cours est structuré et que les étudiants puissent tous comprendre, ben ce qu'on voit, c'est que ça soutient très fort la participation pendant les cours. Donc le fait que les étudiants vont pouvoir agir pendant le cours et pouvoir s'engager dans dans le cours directement. Ça favorise aussi les émotions positives de l'étudiant et ça favorise l'apprentissage en profondeur. Donc le fait de pouvoir rentrer vraiment sur une compréhension profonde de la matière. La gestion de classe, donc le fait de pouvoir essayer de susciter l'intérêt et l'implication de l'étudiant, bah ça soutient l'intérêt et ça soutient la présence au cours. Donc quand on fait attention à cette implication et cet intérêt pendant le cours, bah, les étudiants sont plus intéressants par le cours, enfin, tant mieux, évidemment, mais ils sont aussi plus présents et évitent d'être absents des cours. Et finalement, l'activation cognitive, donc le fait de faire réfléchir les étudiants dans des tâches de réflexion complexes pendant le cours, ben, on voit que ça soutient la participation et ça augmente les performances. Donc ils sont plus performants et ils participent plus, inévitablement. Par contre, attention, ça diminue les émotions positives et ça augmente les émotions négatives. Donc, et ici, on est sur des étudiants de première année, donc en toute première année. Ici, le fait de faire beaucoup réfléchir enfin, de beaucoup oui, réfléchir en profondeur les étudiants pendant le cours, ça a l'air d'avoir enfin, un aspect plus, comment je dirais ça, plus menaçant pour leur bien-être pendant le cours. Ils sont plus stressés, c'est plus difficile pour eux de pouvoir développer des émotions positives, parce qu'à mon avis, ils sont dans une situation d'inconfort par rapport à cette réflexion profonde qui leur est demandée. Donc voilà, donc ça vous permet de réfléchir par vos pratiques. Et si vous voulez aller plus loin, on a écrit et rédigé un livre qui s'appelle Pédagogie active dans l'enseignement supérieur, qui permet, enfin c'est 200, 300 pages, qui permet de découvrir des innovateurs et des innovatrices pédagogiques, mais qui permet aussi de réfléchir sur ces différentes clés et d'avoir différents leviers pour activer ces différentes clés d'activation pédagogique dans vos cours. OK? Donc, je laisse encore 2 secondes par rapport à ces éléments-là, et puis je passe au tout dernier élément de ma présentation, qui est plus le comment agir, mais aussi le quand agir. Donc de réfléchir sur les moments. OK, j'espère que vous êtes prêts par rapport à ça. Et donc, par rapport au quand agir, parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup parlé de temporalité, ben, ici, je vais vous parler de la première année de l'enseignement supérieur et cette transition vers l'enseignement supérieur. Eh ben, si on se base sur les théories de la transition et sur certains modèles de la transition, on peut voir qu'en fait, une transition, c'est un processus qui implique différentes étapes importantes qui vont systématiquement être composées de certains pièges à éviter et de certaines tâches à réaliser. Et qu'en fait, la transition se passe déjà avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, pendant la phase de préparation
à l'enseignement supérieur. Donc, il y a cette phase de préparation qui va être importante, qui va influencer sur les phases de rencontre, qui va influencer sur l'adaptation, qui va finalement influencer sur cette stabilisation. Et en parlant de la préparation, ben dans la préparation, selon la littérature, ça permettrait, en tout cas dans notre contexte ouvert en Belgique, de déterminer quasiment un quart des chances de réussite de l'étudiant. Donc 25% de ce que, enfin, des probabilités de réussite de l'étudiant seraient dues à cette préparation. Et derrière cette préparation et cette logique de réfléchir aux attentes claires et réalistes, donc de pouvoir réfléchir à des attentes claires et réalistes sur le, enfin, sur le contexte de cours, à développer une motivation positive et un sentiment d'efficacité personnelle positive, et à aussi se préparer d'un point de vue de compétences, mais aussi de connaissances, donc compétences transversales, compétences d'études, mais aussi de connaissances, avoir un bon niveau au niveau des prérequis par rapport à l'enseignement supérieur. D'ailleurs, il y a certains auteurs qui tenteraient de dire que sans gestion de la préparation, l'accompagnement à la réussite uniquement dans l'enseignement supérieur ne serait qu'une rustine, ne serait qu'une enfin, qu'une action à mi-efficace pour vraiment agir de manière pertinente sur cette question de réussite. Donc, cette question de préparation va être importante. Un autre moment qui va être particulièrement important pour cette question de réussite, c'est l'étape de rencontre qui est pas ce qui est parfois trop négligé dans la littérature, mais aussi négligé sur le terrain. L'étape de rencontre, c'est ces premières semaines, ces premiers jours dans l'enseignement supérieur qui vont avoir un effet déterminant sur la réussite des étudiants. C'est des éléments qu'on a testés avec des analyses quasi expérimentales qui montrent cet effet boule de neige qu'on peut avoir en agissant sur des petits aspects dès les premiers jours de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les premiers jours sont importants et particulièrement primordiaux pour ce processus de transition vers l'enseignement supérieur? Parce que dans ces premiers jours, l'étudiant arrive encore avec une vision malléable de l'enseignement supérieur. Il a des préconceptions malléables de ses attentes un peu présumées de l'enseignement supérieur. Et quand il va se confronter au contexte dans les premiers jours, il va réajuster cette vision, réajuster donc son attitude et réajuster ses comportements envers l'enseignement supérieur en fonction du contexte qu'on lui propose. Et vu que l'être humain déteste avoir de l'instabilité, ça va être un de ses premiers objectifs cognitifs, c'est de mettre de la stabilité et d'établir, entre guillemets, une stabilisation de ses croyances, de ses attitudes et de ses comportements envers l'enseignement supérieur. Donc, si on agit de manière positive pendant ces premières semaines, on va permettre de déclencher des cercles vertueux. Néanmoins, si on agit de manière particulièrement négative pendant ces premières semaines, avec des mises en garde et de la menace de l'étudiant, on peut très bien déclencher des cercles vicieux importants qui auront des conséquences à long terme. D'ailleurs, dans un suivi longitudinal qu'on a fait sur 2 ans avec des étudiants de première année qu'on a suivis pendant les 2 premières années, ce que nous disent les étudiants, quand on les questionne sur leur parcours et qu'est-ce qui est important dans la réussite et dans l'atteinte d'une réussite de l'enseignement supérieur, ben, ces étudiants nous disent en fait que ce n'est pas un élément qui va être important, mais que c'est un parcours progressif qui nécessite un équilibre délicat entre les différents déterminants de la réussite, un peu tout le temps et surtout dès le départ. Donc de prendre un bon départ et d'essayer de maintenir ce bon équilibre dès le début. Et ce que les étudiants nous disent, c'est que si ce déséquilibre si cet équilibre ne peut pas être maintenu et qu'il y a un déséquilibre, ça mène les étudiants soit vers un abandon, soit vers un échec, soit vers un épuisement. Et on avait des exemples dans les deux sens. Des étudiants qui étaient très engagés, voire trop engagés dans leurs études, dès le début, et qui se sont épuisés parce qu'en fait, ils n'avaient pas une bonne gestion de leurs ressources, et qui sont complètement désengagés, qui ont abandonné et qui sont sortis, alors qu'ils avaient un profil parfaitement engagé au départ. À l'inverse, des étudiants qui sont engagés plus tard, mais qui au début ne sont pas bien engagés et qui ont vraiment eu du mal à rattraper toutes ces lacunes qui avaient été accumulées par un mauvais départ parce qu'ils sont mal, enfin, ils sont pas bien sentis dans ces premières semaines dans l'enseignement supérieur. Et un étudiant nous dit ça, c'est complètement démotivant. Dès qu'on a loupé quelque chose, c'est dur de récupérer et puis ça s'accumule et ça s'accumule et à la fin, on sait qu'on passera pas l'examen, c'est irrattrapable. Ces étudiants nous montrent que c'est important d'agir dès le début et de maintenir cette action. Très bien.
Le dernier point qui ressort des différents moments, c'est les moments de première évaluation qui ressortent de nos analyses, qui montrent qu'en fait que la phase d'évaluation, donc les premiers moments de test, vont être particulièrement importants et particulièrement sensibles chez le jeune, et donc pourraient être un moment d'attention particulière pour les équipes éducatives, parce que on voit que pour certains étudiants, c'est un moment de prise de conscience que le niveau n'est pas suffisant ou que l'investissement n'est pas suffisant avec des étudiants qui vont se réengager suite à un retour sur des évaluations qui ne sont pas bonnes. Néanmoins, pour certains étudiants qui se pensent bien engagés, c'est un moment aussi parfois de désillusion où l'étudiant se rend compte qu'en fait, il n'a pas un niveau suffisant par rapport aux évaluations. Il se désengage et il n'arrive pas à gérer ce retour des évaluations. Donc ce moment d'évaluation semble aussi être un moment particulièrement pertinent pour agir sur ces questions de réussite. OK, donc tout ça termine plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez qu'il y avait pas mal d'informations. J'espère ne pas trop vous avoir perdu. Et je vois qu'il est 18h08, donc il me reste encore 7 minutes pour faire ma toute petite conclusion en 5 minutes. Donc c'est très bien. Et puis après, on pourra passer aux questions et aux réponses. Donc au niveau de ma conclusion, ben, j'aimerais bien revenir sur ce que vous devriez retenir. Et si vous avez perdu le fil d'intentionnel, peut-être quels sont les éléments clés de ma présentation. Ben, le premier élément clé de la présentation, c'est que aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte, on est dans une sorte de paradoxe avec des impératifs politiques très importants par rapport à l'enseignement supérieur, très ambitieux, mais en fait avec des ressources qu'on peut évoluer. Et donc on se situe dans une situation où on doit faire mieux avec moins, ce qui est compliqué et qui nécessite de travailler l'efficience de notre approche. Le deuxième élément, ce serait cette nécessité d'avoir une explicitation très claire de son approche de la réussite et de pouvoir avoir une concertation en termes d'équipe éducative pour pouvoir renforcer l'efficacité des approches qu'on met en place. Le troisième point, c'est de revenir sur cette question de diversité en montrant que la diversité compte et est mesurable dès la rentrée. Donc, cette diversité est vraiment importante dans cette question de réussite, mais que cette diversité ne doit pas être vue uniquement comme une identification des publics à risque, mais que chaque public montre des ressources. Donc la diversité est une ressource et peut compléter, enfin, peut compléter les difficultés, enfin, les forces de certains peuvent compléter les difficultés d'autres. Mais que cette diversité n'est pas uniquement centrée sur l'étudiant. On est dans une diversité multiple en termes de contexte, et donc c'est nécessaire de pouvoir aussi considérer une approche ancrée, savoir quel est mon public. Quel est mon contexte et comment est-ce que je peux mettre en place une action qui s'adapte à mon public et à mon contexte? Ensuite, on a fini avec cette question de l'action sur la réussite de manière plus transversale, en montrant que agir sur la réussite, au-delà d'avoir une action ancrée sur le contexte et le public, c'est aussi de pouvoir penser en quoi est-ce que mon environnement peut être un frein et en quoi est-ce que je peux réduire les obstacles à la transition liés à l'environnement de l'enseignement supérieur. On a également vu qu'il était intéressant d'être attentif à des moments de transition. La préparation va être importante, mais il y a aussi cette phase de rencontre et des premières évaluations qui va être nécessaire. Et puis finalement, on a vu que l'accompagnement qui semble être le plus efficace est un accompagnement qui intégrerait les enseignants dans la question et qui permettrait d'avoir une approche concertée qu'on a appelée avec ma collègue Isabelle Bourneau un écosystème d'accompagnement à la réussite qui cumule des objectifs pédagogiques et des objectifs de soutien à la réussite et aux étudiants. Tout ça se pose avec peut-être une limite aussi. Évidemment, ici, on peut renforcer l'efficacité de l'approche, mais on peut quand même revenir sur l'évident paradoxe de départ en se disant, est-ce que ce renforcement de l'efficacité de l'approche va être suffisant pour atteindre les nouveaux objectifs et les nouvelles ambitions pour l'enseignement supérieur sans réellement changer ce cadre et potentiellement renforcer tout ce qui est l'investissement financier qu'on peut proposer pour l'enseignement supérieur? Je vous remercie pour votre attention et je peux vous proposer peut-être avant de passer pour les questions ou pendant la transition de peut-être prendre une minute maintenant pour échanger avec vos voisins ou vos voisines si vous en avez à côté ou si vous êtes à plusieurs, ou d'échanger même avec vous-même pour essayer de retenir ou de noter maintenant peut-être deux éléments que vous retenez de cette présentation et qui vous semblent particulièrement importants à retenir. Donc voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Et si vous voulez approfondir la réflexion, on a aussi écrit un livre qui s'appelle La transition vers l'enseignement supérieur, qui répond à pas mal de questions et qui va plus loin dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui.
Merci à vous. Je pense qu'on a terminé dans les temps. Je ne sais pas, Fanny, merci. Oui, absolument. J'allais dire vraiment dans les temps. Merci, Michael de Claire. On peut passer évidemment à la période de questions. Donc, on en a plusieurs. Puis, avant de passer directement aux questions, vous nous lanciez justement à plusieurs reprises savoir si tout allait bien, si c'était clair. Je peux vous confirmer que ça l'était. On a plusieurs commentaires dans le chat qui saluent la pertinence, la qualité, la clarté de la présentation. Donc, je vous transmets ces commentaires-là. Très bien, Puis, merci. bienvenue. Puis, Merci. on peut passer aux premières questions. Donc, la première est plus, je pense, une question de validation de la compréhension. Donc, c'est Pierre-Alexandre Morneau-Caron qui se demande s'il a bien compris que la réussite étudiante par les cinq aspects et l'effet fondamental sur l'étudiant aura pour conséquence d'améliorer la réussite académique et éducative. Oui, tout à fait. Inévitablement, le fait de travailler sur la réussite étudiante aura un effet indirect sur la réussite éducative et sur la réussite académique. Le fait de pouvoir travailler directement sur enfin, la façon d'engager l'étudiant dans son parcours, le fait de le faire atteindre ses objectifs et donc de développer une motivation forte, de le faire trouver sa voie, s'épanouir personnellement et développer un cadre social positif, seront tous les aspects qui habituellement sont considérés comme étant des déterminants directs de cette réussite étudiante, pas de cette réussite académique et éducative. Et donc, ce que je dis ici par la réussite, enfin, ce que je repropose par la réussite étudiante ici, c'est peut-être se dire que l'important n'est peut-être pas de viser uniquement de la réussite académique et de la réussite éducative, mais que déjà viser ces cinq aspects-là directement dans les actions qu'on met en place, c'est déjà travailler sur la réussite directement, cette réussite étudiante. Excellent, merci. Je passe à la suivante, puis je la sélectionne pour la pertinence qu'elle a dans le contexte actuel. Il y a Julien Martineau qui nous demande, vous parliez d'accompagnement personnalisé, puis surtout du coût. Donc oui, l'approche est pertinente, mais on voit bien le coût que cela a pour les institutions, puis pour la société dans son ensemble. Dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut être une avenue de choix de s'en aller vers ce type de technologie pour personnaliser l'approche? Est-ce que ce serait envisageable à court, moyen terme? Est-ce que vous avez une idée sur le sujet? C'est juste un avis personnel hein, ici, mais je considère que oui, ça pourrait être un élément envisageable dans la mesure où pour le moment, en tout cas en Belgique, pour le moment, on est en train de, pas de réfléchir à une façon de travailler directement avec l'intelligence artificielle, mais réfléchir à une façon de proposer un intermédiaire entre un accompagnement parfaitement personnalisé et un accompagnement qui soit totalement non personnalisé. Parce que pour le moment, on a tendance en Belgique francophone à proposer des accompagnements transversaux sans vraiment tenir compte, enfin en tout cas sans jamais vraiment l'adresser à un public spécifique qu'on aurait préalablement diagnostiqué comme en ayant besoin, enfin comme ayant besoin de cet accompagnement. Donc ça veut dire que par exemple on va mettre en place des accompagnements, je sais pas moi, des propositions d'accompagnement à la méthode de travail. Et on se retrouve avec des étudiants qui vont venir à ces accompagnements, qui sont potentiellement des étudiants qui n'ont pas vraiment besoin d'être accompagnés sur ces questions de méthode de travail, mais qui ont envie de mettre toutes leurs chances de leur côté, qui n'ont peut-être pas trouvé l'utilité de cet accompagnement parce que ce n'était pas à eux que c'était destiné. Et potentiellement d'autres étudiants qui en auraient eu plus besoin, qui finalement ne vont pas pousser la porte de cet accompagnement, ne pourront pas venir vers cet accompagnement et risquent potentiellement après de s'en mordre les doigts parce qu'ils en auraient eu besoin. Et donc, ce qu'on fait pour le moment, ce sur quoi on est en train de réfléchir, c'est sur une possibilité de pouvoir avoir un suivi diagnostique des étudiants en leur demandant de se positionner justement par rapport à ces différents aspects de la réussite étudiante, mais aussi ces aspects de réussite éducative et académique, pour pouvoir les suivre progressivement pour leur première année et pour pouvoir voir si certains étudiants, à un moment, soit dès le début, présentent une lacune ou une difficulté, ou soit enfin, qu'il y ait une lacune ou une difficulté qui apparaissent progressivement, pour pouvoir informer les équipes éducatives qui pourront alors à ce moment-là spécifiquement proposer des actions plus personnalisées pour un petit groupe d'étudiants qui auraient la même lacune au même moment. Donc, je pense que dans ce cadre, l'intelligence artificielle pourrait être d'une grande aide pour pouvoir avoir cette espèce de gestion très globale d'un très grand nombre d'étudiants avec des besoins très spécifiques pour pouvoir faire le tri et d'arriver pas sur du personnalisé en tant que tel, parce que je ne pense pas que l'intelligence artificielle pourrait tout amener. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la relation aussi avec les accompagnateurs et les accompagnatrices.
Mais à minima, pour faire cette semi-personnalisation des actions de réussite et de mieux cibler notre public cible, mais aussi de mieux cibler ce qu'on doit leur donner et à quel moment. Voilà. Excellent, merci. J'ai une question de Louise Couteau qui souligne donc l'importance de la préparation et de l'accueil. Il a bien identifié le moment, enfin que c'était des moments déterminants. Et justement, il demande comment s'y prendre avec les personnes qui sont nouvellement arrivées aux études supérieures, qui sont donc inconnues par définition de l'institution et des enseignants. Oui, c'est une difficulté qu'on a également dans notre système, c'est que, en fait, j'ai pas vraiment énormément de réponses par rapport à ça, parce que c'est une grande difficulté qu'on a également dans notre système, à savoir que la responsabilité de la réussite dans l'enseignement supérieur est posée sur l'enseignement supérieur, mais pas sur les établissements d'enseignement obligatoire. Et donc, on se retrouve souvent à devoir travailler sur cette réussite sans pouvoir tenir compte vraiment de cette préparation. Ce qui est en cours dans en Belgique pour le moment, c'est de potentiellement proposer justement des outils de prédiagnostic pour les personnes qui voudraient rentrer dans l'enseignement supérieur. Et donc, pour le moment, on travaille sur un outil en ligne qui permet aux étudiants, enfin futurs étudiants qui rentreraient dans l'enseignement supérieur, de pouvoir se positionner par rapport aux différents éléments clés de la préparation. Donc, le fait de savoir s'ils ont des attentes claires et réalistes par rapport à l'enseignement supérieur, donc cette question des intérêts personnel et professionnel, le fait d'avoir développé suffisamment de connaissances de soi et de motivation forte pour pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur, et aussi tout le fait d'avoir développé des compétences et des connaissances suffisantes par rapport au domaine dans lequel ils vont rentrer. Et donc cet outil en ligne permet aux personnes qui seraient susceptibles de rentrer dans l'enseignement supérieur de pouvoir en fait avoir un pré-diagnostic et peut-être avant de rentrer dans l'enseignement supérieur de pouvoir déjà trouver un soutien hors de l'enseignement supérieur pour qu'ils arrivent à minima préparés. Donc, c'est très compliqué, une fois qu'ils sont rentrés, en fait, de travailler sur ce qui manquait déjà avant, vu que toute une phase est déjà passée. Donc, on doit déjà essayer de travailler sur des déficits dès le départ. Et comme vous avez vu, comme je vous l'ai démontré, ce qui va être important, c'est de commencer dès les premières semaines. Et ces premières semaines vont être déterminantes. Mais donc, si ces premières semaines commencent sur un déficit qui va déjà poser des soucis et qui risque de créer des problèmes d'accumulation de lacunes, etc., on va être dans une vraie difficulté. Donc, c'est pour ça que on essaye ici de travailler sur des éléments qui permettraient, au plus aux jeunes de pouvoir quelque chose d'accessible et où ils pourraient se questionner par rapport à ces éléments et se préparer de manière plus autonome pour pouvoir essayer d'agir là-dessus. Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué comme question. Oui, si on avait tous la réponse, on serait pas là, je pense, aujourd'hui. Et puis justement, on disait sur les éléments sur lesquels on peut travailler, il y a Louis Dugas qui mentionne que la réussite, c'est beaucoup aussi le contexte de classe, c'est ce que vous mentionnez aussi. Il demande comment investir ce lieu de manière positive, mais surtout avec toutes les restrictions qu'on lui connaît aussi, donc les règlements, les temps. La formation, l'autonomie professionnelle, par exemple. Donc, on a un ensemble de contraintes. Comment on chemine à travers ces contraintes-là pour justement l'investir de manière positive? Oui. Nous, dans le projet Just Teach que je vous ai présenté, la façon dont on a travaillé avec le contexte classe, c'était vraiment, la façon dont on a travaillé pour analyser ce contexte classe, c'était par observation systématique. Donc, on est rentré dans les contextes pour pouvoir filmer globalement ce qui se passait dans la classe, filmer l'enseignant. Et ce qu'on, avec comme je dirais conception préalable. On allait avoir une certaine levée de bouclier et une certaine frilosité des différents enseignants qui allaient potentiellement pas accepter qu'on rentre dans leur classe pour venir les filmer et potentiellement justement évaluer leur pratique. Ce qui finalement est très loin d'être la réalité. Et donc on a été assez positivement surpris par rapport à ça, à savoir qu'il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui sont tout à fait, je dirais, preneur d'un travail d'amélioration de leur pratique et d'avoir des clés pour pouvoir justement renforcer la présence en cours, renforcer l'engagement de leurs étudiants, renforcer leur motivation et s'assurer qu'il y a une compréhension de toutes et tous. Et donc, pour le moment, on est en train de travailler, mais c'est encore
On est encore au tout début, hein, mais on est en train de travailler sur la possibilité peut-être de travailler avec les enseignants sur ces pratiques, cette analyse de dispositifs et cette observation systématique pour travailler avec des entretiens d'autoconfrontation où on travaillerait avec l'enseignant pour lui montrer comment il fonctionne et peut-être à nous faire une analyse réflexive avec lui sur ce qui fonctionne moins bien, et pouvoir lui donner des conseils très personnalisés sur sa façon de travailler en classe. Et je pense que ça, les équipes de soutien pédagogique pourraient s'en emparer pour pouvoir intégrer petit à petit cet aspect. Parce que j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être une première piste de travail très concret avec les enseignants. Une autre piste qui me semble importante, c'est une piste qui revient au premier, enfin, la première partie des éléments que je vous ai proposés, à savoir cette question de clarification et d'explicitation des objectifs de réussite. À savoir qu'aujourd'hui, on a un double problème, c'est qu'on n'explicite pas assez les objectifs de réussite, mais ces objectifs de réussite ne sont pas non plus, vu que ça reste implicite, ne sont pas non plus, je dirais, endossé de la même façon par l'ensemble du corps enseignant et l'ensemble des acteurs et des actrices du programme de cours. Et là, il y a un vrai problème. Et donc, en travaillant en amont sur une explicitation de ce qu'on met derrière cette réussite et des objectifs pour un programme de cours, des objectifs concrets en termes de réussite sur les différentes facettes, on arrive dans quelque chose de très concret sur lequel les enseignants aussi devront pouvoir se positionner. Et donc, ils pourront se positionner en réaction, mais inévitablement, s'il y a une espèce de mouvance, de programme d'aller dans la même direction, de viser ces mêmes objectifs très concrets de réussite pour les étudiants, on va arriver aussi dans un changement progressif de pensée, un changement progressif d'implication par rapport à cette réussite. Et l'enseignant va progressivement comprendre son rôle et son implication progressive, et peut-être son implication et son rôle déterminant dans l'atteinte de cet objectif. Donc pour moi, il y a peut-être ces deux aspects, c'est travailler avec l'enseignant, peut-être sur une réflexion très concrète sur ce qui est fait en classe et hors classe, et puis travailler sur le côté au niveau du programme pour essayer d'arriver sur une espèce d'explicitation et de ce qu'on veut vraiment pour la réussite des étudiants et comment ça se concrétise dans les actions concrètes de l'institution et du programme de cours. Entre autres, il pourrait y avoir plein d'autres façons de travailler, mais c'est ce qui me vient maintenant en tête. Excellent, merci. Ben, j'irai avec une dernière question qui est une courte question, mais complexe à la fois. C'est comment diminuer l'empreinte de la performance? C'est Bruno Gilbert qui nous dit ça. Ça, c'est très compliqué. Enfin, ça, oui, c'est vraiment très, très compliqué. Le problème, c'est que enfin, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose qui va aller toucher fondamentalement aux conceptions et aux valeurs mêmes qu'on a de l'enseignement supérieur, mais aussi aux valeurs mêmes qu'on a de l'enseignement et de l'école en général. Et donc, enfin, si on prend l'exemple français qui est fort axé sur cette logique de performance dès le plus jeune âge et d'être dans un système de performance dès l'enseignement primaire et puis l'enseignement secondaire et puis le collège et le lycée, c'est très compliqué de désancrer, en tout cas si on travaille directement sur l'enseignement supérieur, c'est très compliqué de désancrer cette logique de performance parce que même les jeunes, dans leur contact avec l'école, ils ont eu ce rapport à l'école dans un rapport très performance. Donc pour eux, ils sont si fort, je dirais, axés sur cette vision de performance à se dire, ben, si moi je veux montrer que j'ai fait quelque chose de bien, ce sera en démontrant que je suis performant, voire plus performant que les autres. Donc c'est un travail de fond qui devrait être fait sans devoir diaboliser la performance en se disant que la performance est quelque chose de négatif. Je pense que la performance est quelque chose qui peut avoir des aspects positifs, mais en leur mettant et en rééquilibrant et réouvrant la perspective, en se disant qu'il y a performance, mais derrière cette question de performance, il y a aussi toute cette question d'apprentissage et aussi une question d'épanouissement qui viennent se positionner. Et inévitablement, c'est un travail de fond qui avance petit à petit. Et je pense que, enfin, avec des présentations comme celle d'aujourd'hui et avec le fait d'avoir des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui écoutent ce qui est présenté et qui vont peut-être réouvrir la question, on avance peut-être progressivement sur ces aspects. Et je pense que cette façon de pouvoir disséminer cette vision plus multiple de la réussite qui n'est pas uniquement axée sur des aspects de performance, ça peut jouer progressivement. Mais je serais pas utopiste par rapport à ça en se disant qu'il y a une action clé qui va permettre de
prendre distance par rapport à cette logique de performance rapidement. Je pense que ce sera un Mmh. processus long qui prendra des années et des années, mais j'ai l'impression qu'on est dans une bonne dynamique par rapport à ça. On a vraiment beaucoup plus d'actions sur les questions d'équité, sur les questions d'épanouissement qui reviennent au centre, surtout depuis la pandémie. Donc, je pense qu'on peut, c'est un moment aujourd'hui charnière sur lequel on peut commencer à initier un changement de perspective progressif. Excellent, merci. Ben, ça fait le Ouais. tour de nos questions. Puis Ok, très je bien. peux déjà vous remercier. Je pense que oui, on a avancé collectivement sur cette question des réussites aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Michael Declercq, d'avoir été parmi nous ce matin en direct de la Belgique et d'avoir partagé avec vous cette riche présentation qui d'ailleurs, je pense, on va pouvoir partager à l'ensemble de nos participants le PowerPoint que vous nous avez présenté. Oui, sans aucune difficulté. Oui, franchement, Donc sans aucune difficulté. il vous sera transmis. Donc je termine vite fait avec le mot de la fin. Ben, merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Quelques petites, j'allais dire, informations pour la suite de la session avec la QPC. Donc déjà, vous allez recevoir un sondage d'appréciation dans quelques minutes pour nous faire un retour sur la première grande conférence de l'automne. Donc on vous remercie de prendre le temps d'y répondre. Ça nous permet vraiment de vous proposer ensuite des événements adaptés à vos besoins. Comme celui qu'on a pu avoir aujourd'hui. Dans la suite de l'actualité de la QPC pour l'automne, la semaine prochaine, c'est l'ouverture de notre programmation des webinaires, donc qui ont lieu en ligne. Jeudi 26 septembre prochain, on reçoit Andrew Burton du Collège Marianopolis qui vient nous parler justement de l'intégration de ChatGPT pour réaliser les devoirs à la maison dans les cours d'anglais. Si vous voulez avoir accès à toute la programmation, elle est en ligne dans la section webinaire. Je poursuis avec un autre volet, la formation en intelligence artificielle. Donc c'est le sujet de l'heure, n'est-ce pas? Formation gratuite en ligne qui elle aussi est accessible sous l'onglet formation sur le site web de la QPC, d'une durée de 3 heures, mais que vous pouvez réaliser sous forme de module de manière progressive. Donc elle est faite vraiment pour penser à tous les impacts que ça a sur notre pratique d'évaluation en tant qu'enseignant et enseignante, et justement à comment on peut modifier certaines de nos pratiques en fonction des retombées que cette technologie a dans notre milieu d'enseignement. Dernier morceau, c'est celui des communautés de pratique. Là aussi, ça s'active cet automne de ce côté-là avec 4 communautés de pratique qui sont d'ores et déjà accessibles sur toutes sortes de sujets et qui vont avoir lieu, qui vont donner, pardon, des événements en ligne aussi cette session. Donc, je pense au prochain événement, la COP d'intégrité intellectuelle, justement, qui va elle aussi porter sur l'intégrité intellectuelle autant de l'intelligence artificielle générative ou à la COP autochtonisation et décolonisation qui va avoir aussi sa première rencontre pour faire un partage de pratiques pédagogiques sur le sujet. Ça est disponible dans la section communauté de notre site web. Et je termine par vous souhaiter une belle fin de journée, mais aussi en remerciant nos partenaires qui nous soutiennent pour la réalisation de l'ensemble de ces activités pour toute l'année. Donc, merci Mickaël d'avoir été parmi nous. Avec plaisir. Merci à tout le monde, puis une bonne suite de sessions à tout le monde. Au revoir. Revoir à toutes et à tous. Au revoir.